nous allons excuser. Ce n'est pas moi-même, non. C'est un problème technique. Un problème avec le système tapé font mise à jour dans l'application, surtout dans l'application principale. Là. Donc, nous sommes. Et merci un peu pour votre participation avec nous. Donc, c'est pas moi-même qui dis ça, va dépendre de moi. C'est même ce système et téléphone même qui était à fond mise à jour. Donc, la mise à jour, je ne sais pas si je fais pas vraiment rien là-dedans. Donc, je remercie tout le monde qui est retourné. Et ce n'est pas moi-même, non, le téléphone a été campé, c'est pour le café, on sort de mise à jour. Et si je fais une mise à jour, le téléphone n'a pas campé net. Donc, je vais déraper, je vais prendre tout rapidement ce qui est gagné. Il y a un ministre et le premier ministre indien qui est toujours aux États-Unis. Donc, il y a une cérémonie au Lolo qui est faite pour lui dans la Maison Blanche. C'était Jack Sudak. Et puis, il y a un petit fait bouler entre la Russie avec l'Ukraine à continuer. Et il y a deuxième journée, l'Assemblée générale, l'Organisation des États américains, la possible. Ici, Washington, il y a un secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qui vient prendre la parole. En fait, il déjà prend la parole déjà. J'en peux parler de problèmes qui concernaient l'hémisphère noir. Et puis en France, il y a un sommet sur la réforme système financier mondial. Là. Et c'est un sommet que le président français a organisé. Il a invité là-dedans les 40 pays, il a invité une vingtaine de pays africains. Et quelques pays dans les Caraïbes, là, parmi les premiers ministres haïtiens, Ariel Henry, eh bien, ils étaient là pour discuter. Mais finalement, dans le discours que le président français Emmanuel Macron fait, eh bien, il dit que il salue. Et fort, il dit que finalement, le pays chaud, finalement, bon, on promet ce que tu fais depuis longtemps, que tu es fait depuis longtemps que par exemple, qu'a fait. Finalement, le leader mondial prend engagement avec le pays chaud, il prend engagement pour assister. Et bien encore plus bas, ils ont 100 milliards de dollars pour aider les pays pauvres, faire face avec un série de défis qui devant eux, donc le changement climatique, et tout le chancelier allemand et Olaf Scholz, qui lui-même parle dit que les pays ont fait suspendre, pour mettre son fait nous parler des paroles, n'a pas dit qu'ils ont fait qu'ils ont tout, qu'ils ont fait paroles pour faire tourner la réalité tout. Il y a un ministre trésor américain, Janet Yellen, qui dit même tout parler de nécessité pour gagner et on sait de banques multi et régionales sur un poids ces pays pauvres et puis l'argent par exemple Fonds monétaire international avec Banque mondiale Fonds monétaire dit qu'il ramasse 100 milliards de dollars indisponibles pour aider les pays à faire face à des problèmes qu'ils ont rencontrés. Et tout, il y a prêté les pays à eux. Et l'argent a un taux préférentiel, ça a un taux minimum par rapport avec le marché, avec taux et sous marché. Donc c'est ça la situation. Donc le premier ministre Henry, lui-même qui l'autre bois, et bon, il partait comme intervenant, mais il était là comme un assistant. Et mais on a profité de présence de l'autre bois pour faire des rencontres. Pour te rencontrer avec quelques leaders mondiaux, par exemple le président de l'Union africaine, des rencontres avec le président brésilien Luiz Inácio da Silva, et puis avec quelques autres participants au sommet. Voilà, c'est ça en gros qu'on a dit nous, et de sommet ça, qui finit, je veux dire, de sommet deux jours. Puis je dis à la ville Paris en France. Et puis dans l'autre point qui domine l'actualité, nous parlons en Haïti côté gain. Oh. Canada frappé encore mes amis. Canada frappé sérieusement grand matin là, Canada frappé, en fait Canada prend sanction contre 4 un homme d'affaires avec 3 chefs gangs. Alors bon bonne nouvelle là bien. Canada frappé, il frappé et homme d'affaires André Apped, ou alors souvent comme André Apped, André Apped c'est actuellement c'était
Je vais parler de lui en pile dans le mouvement 84 là. Le mouvement 84, un mouvement qui était situé, qui était débouché sur, jusqu'à ce que vous ayez réussi. Et en ce pays, je vais être réussi d'aller en Italie. Et donc, un mouvement mobilisation et en dérapétité, nous sommes hommes d'affaires tout. Et qui dernièrement, je crois que le président Jovenel Moïse, il était bon, on bout de terre, en fait, on plusieurs carottes, bon, il était balé pour qu'il déplante un conseil de fer et qui était certainement que, on peut utiliser dans la fabrication soda, Coca-Cola. Donc, ce conseil de fer que il balé. Donc, on rappelle sous sanction. Et puis, il y a tout le mort sans jour, le monsieur et Joseph Wilson, le monsieur sous sanction Canada tout. Et puis, il y a invité l'homme innocent et responsable groupe armé Casé Barrière. Et puis, il y a Johnson André, et monsieur c'est alias Iso. Donc, monsieur ça en bas, sanction gouvernement canadien. Alors, nous rapidement. André Appet, c'est un homme d'affaires. Lamor Sanjour, c'est un chef de gang. Monsieur Joseph Wilson. Vite l'homme innocent, c'est monsieur qui est responsable du groupe armé qui a pris la terre dans la zone actuelle, dans la zone Tabar, monsieur dans la zone Pétionville en bas, dans Pétionville là. Et bien monsieur et Canada pas sanction contre lui. Et puis il y a Johnson André, alias Iso, et ambassadeur du Canada. Passant à un dossier, décision juge Martel Jean-Claude Courant pour Livoy et devant un tribunal criminel et ancien sénateur et lui la tortue pour corruption pour utilisation des biens publics. Eh bien, et jusqu'à hier, le sénateur a dit qu'il ne peut pas recevoir ordonnance là. Mais en principe, et puis il y a tout ancien sénateur et sud-est, Joseph Lambert, qui dit même tout, mais lui-même c'est pour et obstruction à la justice. C'est-à-dire que c'est tant que monsieur pas de compte collaborer avec enquêteur USCCO sur ces deux dossiers. Et bien parce que selon ça, sénateur Joseph Lambert dit, il dit bon, et le directeur USCCO a bien connu que le pas est entré dans le Parlement. Et que s'il y a besoin de bagages dans le Parlement, il faut collaborer. C'est le ministre des Finances, donc c'est le ministre de tutelle qui peut être écrit. Et le ministre de tutelle a lui-même était capable. Et le ministre lui-même était capable d'écrire le Parlement et le Parlement était capable de faire jouer un document qu'il a besoin. Donc, mais en tout cas, c'est la réalisation de lui-même. Et décision ça, je m'attends un peu pour le courant, il et que lui-même, il prend un appel avec des il prend un appel à décision. Bon, et d'après ça que je l'ai dit, il dit déjà envoyé et document acquis de droit et qu'il demandait arrestation et mettait en prison et deux anciens sénateurs sérieux, je n'ai pas eu de lui la tortue avec le sénateur Joseph Lambert. Mais en principe, la loi dit, monsieur, il y a jusqu'à 10 jours pour faire appel. Alors, et il y a des gens qui disent que oui, depuis que vous venez, vous avez arrêté, même après un appel. Mais il y a l'autre expert dans l'affaire légale qui dit que l'appel est suspensif, c'est-à-dire qu'une fois que vous injectez l'appel, vous n'êtes pas capable d'arrêter, surtout par une décision finale qui prend dans le tribunal d'appel. Donc, encore nous-mêmes qui sommes des experts dans le domaine, nous allons décider, nous allons connaître ça qui va. Je m'en prie pour nous. Donc, sénateur, il y a 10 jours pour aller en appel avec décision. Hein? Mais ça, juge l'a demandé, l'événement de plus arrêter et mettre dans la pénitentiaire nationale. Parce que c'est un jugement de dénoncer un tribunal correctionnel pour l'aller. Parce que c'est la justice. Alors que le sénateur, il a passé un tribunal correctionnel et pour le tribunal criminel parce que lui-même, il était déjà avec l'utilisation d'influence pour le maman responsable du rôle. Et puis, chèque. Sous 9 chèques qui étaient écrits, madame, maman, sénateur, pas jamais lumière, il y a un chèque. Et tout chèque, ça, 8 chèques sous 9, et 8 chèques ça a déposé sous le personnel sénateur, ancien sénateur. Et l'autre 9e chèque là était déposé sous une agence de sécurité que le sénateur a possédé.
Donc, mais les dossiers à la première fois, c'est à te défendre. Et te défendre pour te dire que son bail qui est tout à fait normal. Et l'homme est employé pour dire que le bureau, pas grand qui est mal, ça le fait. Mais ça que Dieu dit que le TG influencé parce que maman, c'était maman, et normalement, il était fait pour décision, il était toujours président du Sénat, donc il a pu avec influencé, etc. Donc son dossier encore qui sur le tapis, et après, on a posé des questions pour connaître qui est-ce qui est vérité, qui est-ce qui est vérité, et qui ça la justice pour dire. Et nous avons dit cet ancien, nous avons dit la justice a bougé, surtout dans le dossier et dans la lutte anticorruption. Haïti cassé très bas. Dans la lutte anti-corruption, très très bas dans le classement général. Là. Et puis, il y a un ancien premier dame, Martine Moïse, qui lui même déposé plainte dans le tribunal de Miami contre le monde qui est assemblé à Gimpoué avec l'assassinat à Maril du fin président Jovenel Moïse. Donc, il a cherché dommage et intérêt pour ça qui passe. Et puis, nous avons tout et la police nationale a fait un rapport hier de l'activité que nous menons pendant le mois de mai et jusqu'à on partir le mois de juin. Nous va gagner Yves Manuel va parler un petit peu de intervention ou bien encore ça qui a dit qui ça et commissaire pour la police nationale là commissaire Gary Dosier t'es que pour dire soit fait opération menée les armes saisies monde qui mourit et en plus de détails qui étaient certainement capables de gagner avec le président Emmanuel. Et puis nous rappelons que le secrétaire d'État américain et Anthony Blinken qui pour prendre la parole devant l'Assemblée générale de l'OEA, Jodia, en fait, il prend la parole. Quand elle parle était certainement de problèmes régionaux, situation qui a frappé des pays dans la région, en tant que problème qui est au Venezuela, Nicaragua. Avec l'autre pays, on compte certainement de ces pays d'Haïti, a très probablement l'abvini dans sur le tapis à tout. Et puis, on a dit que c'est effectif. Canada, avec le Dominicain, joue une entente pour les deux pays qui travaillent ensemble pour aider Haïti. Aider Haïti à résoudre la crise. Là. Et alors, tu es un petit chien qui est gagné dernièrement entre Canada avec République Dominicaine. Le Canada a annoncé le travail de l'ONU en République Dominicaine pour assister le président national là. Et les Dominicains étaient fâchés parce qu'ils disaient qu'il n'y avait aucun arrangement parce qu'on a ensemble qui était tombé dernier. Parce qu'on a combattu ça et que les gens mettaient à côté déclaration autorité canadienne de faire. Mais après quelques jours, quelques temps, etc., ça a évité une sorte d'embarrassement. Pour le gouvernement canadien, bon, finalement, il ne finit pas entendre et annonce en fait que deux parties au genou encore, nous travaillons ensemble pour aider les pays d'Haïti. Nous avons aidé les pays d'Haïti à partir de la République dominicaine et nous avons aidé Haïti en Haïti lui-même et nous avons aidé le président national là lui-même à partir de l'autre pays qui n'a pas ni République dominicaine ni en Haïti parce que le Canada est du tout, nous avons cherché l'autre pays dans la région qui est aidé pour le côté collé. Mais tout gagné représentant États-Unis dans l'OEA et qui n'était pas la parole dans la première journée, c'est en ce premier-là, il a demandé, il était encouragé l'OEA pour lui faire plus d'efforts pour essayer de voir une force et si c'est multinational, c'est à Carini, pour aller aider les autres crises dans le pays d'Haïti, normalement que les acteurs en Haïti n'ont pas un peu pour qu'on ait qui va s'occuper de diriger, est-ce que de mon gouvernement bicéphale, c'est un gouvernement à deux têtes qui a bien un conseil présidentiel qui a bien là dans cinq membres. Il y a une proposition que supportait l'accord 21 décembre et le premier ministre Ariel Henry a dit il y a même non, il n'y a pas de faire aucun, il n'y a pas d'accord avec. C'est seulement une nouvelle, il voulait même un gouvernement à une tête, qui a bien un gouvernement, qui a bien un premier ministre, même si il y a d'accord plus tard élargi et conseil transition HCT pour élargir et font passer maintenant le gouvernement pour mettre plus nouveau monde dans le gouvernement ou bien remplaçant le gouvernement et puis le gouvernement est disposé by opposition ou bien encore so-called opposition par quelques postes pour être capable et continuer à chercher à déboucher sur les élections. Voilà.
parce que et mon mettait gain avant un peu dans nous aller pour ça parce que nous on s'est allé m'taler monsieur ton problème qui était le téléphone lui même qui était coupé parce que t'as upgrade iOS là donc c'est un système qui va plus fonctionner c'est ça que il a fonctionné puis et maintenant lundi c'est Valé Saint-Louis à part avec nous Washington c'est lui même qui a présenté émission et émission journal 4h. Donc moi même c'était semaine ça c'est en vacances. Donc nous avons pour Jacques pendant semaine ça. Donc semaine prochaine c'est Valé Saint-Louis qui est à New York et qui part avec nous Washington pour lui présenter et pendant semaine pour là il est capable avec nous et puis nous avons appelé nous hier c'était anniversaire Jacqueline. Par contre ça a été fait dans tout le monde demander qui ça régler pas dit moi même connaît que il était réglé bon bagage, il était pour célébration. Bon, moi-même, j'étais perdu à cela. Et ça fait que je ne suis pas allé dans la fête là. Je connais que tu dis que tu as fait une fête. Et puis, nous venons en cas avec nous aujourd'hui à tout Fred Kaimit qui sortit de Jersey. Bon, je suis avec nous en cas là. Et probablement, aujourd'hui, avant de dire, je vais aller, je vais aller. Mais je suis allé en cas avec nous depuis le matin là. Donc, nous sommes bien contents. Et puis, chef service à Sandra Le Merto avec nous tous. Et il était travaillé à distance. On s'était travaillé à distance. Non, il n'y a pas travaillé à distance. Il était avant hier. Donc il était avec nous hier. Il était encore lié avec nous. Voilà, mes amis, c'était ça. Je vais vous dire non. Alors, c'est une frontière de journée avec nous. Dernière plus grande nouvelle qui est tombée pour journée là, c'est décision Canada qui impose des sanctions contre 4 personnes en Haïti. D'abord, un homme d'affaires, c'est André Aped. Et puis, trois chefs de gang, c'est Joseph Wilson alias L'Homme sans jour, il était l'homme innocent responsable du groupe armé Crasse des Barrières, et puis il y a Iso, alors, il y a Johnson André alias Iso, et bien monsieur Sayo, Katon Sayo, c'est nouveau liste que le Canada a publié, pour aller ça, qu'on a dépassé en 20 ans, en termes de sanctions que le Canada déjà prend, et contre le monde de qui est censé bloquer la situation en Haïti, soit au point de vue à financer ou bien encore à mener activité gang, ou bien encore à courir activité gang, ou bien même à mener activité. Donc c'est comme ça. Et ça passe. Et puis nous parlons de Martine Moïse, qui est déposé plainte dans le tribunal en Floride, qui se pour chercher dommages et intérêts pour contre le monde qui est censé accuser dans l'assassinat de Maril, ancien président. Jovenel Moïse et Bakone, pas poser une question non, mon amour, qui pose une question à Bakari, bon Bakone. Sous Dimnim Kacha, c'est une réponse là, même pas vraiment une réponse. Et puis, en tant que vous devez une question avec le Canada, pour que vous travaillez ensemble, pour que vous ayez Haïti, vous êtes propres, mais en tout temps, en tant que vous, et il n'a pas bougé, chaque membre de la position, il y a un groupe qui en faveur du gouvernement à deux têtes, qui est là dans le Premier ministre, avec le gouvernement, et puis après avec lui, il y a un pouvoir, un conseil présidentiel, qui a bien 5 membres là-dedans, et puis il y a un supporter à 21 décembre, et même dit non, à sa pièce, il y a seulement un gouvernement. Avec un chef de tête, son premier ministre qui était probablement ailleurs, lui. Et puis, mais il y a élargi et gros conseil de transition. Et peut-être qu'on va passer maintenant dans le gouvernement. Je dis nous bon week-end. Rappelez-nous, lundi, c'est Valério qui a présenté nos choix. Map là. Et puis, week-end, ça, c'est le début et Coupe du Monde, là, c'est demain. Et pas coupe de CONCACAF là, il a démarré demain officiellement. Donc c'est un match, c'est les États-Unis qui a prouvé compétition contre Trinidad et Tobago. Et puis dimanche, Haïti a monté dans haut. Haïti a prouvé match par là contre Qatar. Qatar c'est deuxième année, ça va être deuxième fois invité Qatar pour édition, 16e édition 2021. Qatar pratiquement. C'est arrivé dans une finale et c'est les États-Unis qui étaient éliminés de justesse.
en victoire nation, petit bout de bol, qui était éliminé Qatar. Donc, Haïti, obligé nous, pour nous garder l'équipe Qatar la terre, mais l'équipe haïtienne a déjà quitté l'État Floride, le déjà dans Houston, Texas, il y a son d'abgade, monsieur tape manger, etc. Donc, je dis à ça, on va faire un petit, certain nombre de décrasser, j'arrête, parce qu'on va faire comme entraînement encore, parce que Qatar a fait entraînement, puis jouer à le blessé, etc. Donc, l'entraîneur a dit, joueur pratiquement, dans la déclaration à la presse, il a dit que très confiant, que il n'y a pas un petit sans garde, donc il ne peut pas le payer la gueule, il espère qu'il a fait belle figure dans la compétition. Voilà de la mec à présent, donc moi-même, je vais inviter nous brancher début demain, pour nous connaître justement ma prochaine rencontre avec les joueurs en sélection, pour nous donner des expliqués, etc. Et puis dimanche, tout, on a fait toute journée, tout, parce que match à Haïti, c'est à 6h du soir. Donc, on a dans ce stade-là pratiquement bonheur. Depuis 2h de midi, 2h, on a pris dans ce stade-là déjà. Donc, c'est certainement pour nous côté et bah, ça, pour nous côté nouvelles banons, actualité, monde qui l'a eu, pour nous donner un petit peu, parler un petit peu de ville de Houston, de stade-là, lui-même, côté cap, et accueillir en compte-là. Tout ça, on a pris. Mais non, non, là. Et on a pris là, et là-bas, on a mis là. Donc, on a des nouvelles, on a connu ça qui a passé directement. Mais match là, c'est pour 6 heures liées et c'est à lever de rideau. Et puis deuxième match là, c'est un match Mexique avec Honduras. C'est un bel match tout. Parce que sous papier, c'est deux pays ça, c'est deux pays qui. Même si l'équipe équipe Mexique actuellement, actuellement, il est entraîné même, parce que après le gain. Et il a évoqué lui, pour peut-être dire qu'il n'est pas satisfait avec lui, monsieur a évoqué. Donc, mes Mexicains sont équipés, censés en pleine réforme, pratiquement, pour faire qu'il y ait des mains en nouvelle sélection. Donc, Haïti a de profiter pendant l'équipe de la Costa Rica, où est-ce qu'il a arraché en 3 points de la Costa Rica. Parce que Haïti a rencontré avec Mexique dans la dernière édition en tout. Et Haïti a perdu. On est Haïti, j'ai oublié de faire ça, que j'ai subi. Et en prolongation de leur Mexique. Et Haïti va oublier ça. Voilà. C'est ma parole. Souhaitez-nous pour nous passer un très bon week-end. Je suis bien content avec vous pendant toute semaine. Je suis un poème dans la semaine prochaine. Je suis là. Excepté que dans, sur la télévision, c'est Valérie lui-même qui a fini pour nous présenter nos choses et émissions radio sur la télévision. Et nous déjà, mettez-nous ensemble avec pour nous dire Valérie. Bienvenue à Washington. Bye bye tout le monde. Je vous dis à ce week-end, soit conduit, pas consommer alcool. Et si vous consommez alcool, mes amis, pas conduit. Et non plus tôt, ou pas supposé si dans nos machines, en commun cap conduire. Et après, vous avez fait consommer alcool. Nous besoin, n'apprends pas à voir. Bye bye.